Voilà, il est 5h40, on se prépare pour rejoindre le trafic et tout, là on a encore d'autres affaires. Le vélo est déjà chargé dans la remorque. Et puis on va y aller. Il prévoit de la neige ce soir. Et bon, nuageux dans la journée là, donc ça va être bien pour faire les recos. Puis après voilà. C'est bon Gao? C'est bon Loïc? C'est bon ça Gao? C'est bon ça Loïc? C'est bon les gars? On a tout le temps. Je vais souffler doux. Vas-y, je le fais, je m'arrête après. Ouah! C'est bon, c'est bon. Oh la poignée! Aïe 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 aïe. Putain. Aïe 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 aïe. Ça va gros? Ça va? Ça va gros? Ça va mec? Ça va Gao? C'est bon pied! C'est bon! À quel niveau? T'es tombé dans quelque chose ou par terre? Oh putain, mais. Oh, c'est par terre! Oh. Oh putain, mais. Ça va, mec? Oh, il est mort tête, celle-là! J'avoue! Ça va ou quoi? Ah, elle est belle! Hein. Oh putain! Elle est filmée, mon gars! Ça va? Oh, putain, la visière encore! C'est pas grave, ça, on s'en fout! Mets-le lui là, mets-le là, le vélo. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Toi aussi, tu t'es pris un peu, hein. Ouais, j'ai pris le guidon. Trop chaud. Oh les gars, vous m'avez fait peur. Non mec, j'ai de la terre dans le cul. J'étais concentré, ça, j'ai vraiment pas prévu. J'ai bien freiné, mais à mon avis, c'est mon frein avant, j'ai plus puissant que l'arrière. Et du coup, enfin, je sais pas pourquoi. On y va les gars? C'est bon? Tu l'as fait Gabo? Non. Et toi tu l'as fait? C'est quoi? Un peu goué. Attention ça arrive. Donc voilà, petit brief rapide. Là on est il doit être 14h, comme ça. On en a fait deux ce matin que j'ai pas filmé. Vous aurez eu deux petits plans de Melvin avec ma gamelle et celle de Gao. Bon, donc là c'était la deuxième, reco. La première reco, je suis aussi tombé. Donc là j'ai vraiment mal à la cuisse. Genre presque j'ai mal quand je suis debout. Quand je suis sur le vélo ça va. Quand je suis debout, wow, ça fait mal.
Du coup, là on va faire une. Et on va voir. Là je vais vraiment rouler doucement, ne pas me blesser. Donc, je vais pas prendre les deux gaps. Je vais pas prendre le saut de la fin. De toute façon le deuxième gap je le passe pas, le saut de la fin je le passe pas. Donc je vais voir. Pas se baisser plus. Et puis on verra dans l'après-midi si on tente de passer plus de trucs. Voilà. Ah merde. Putain. Oh putain. Oh merde. Ça t'arrive beaucoup ou pas? Ça mêle. Attends, attends. Je peux te lever? J'ai quoi? Arrêtez-le, le drapeau. Tu peux appeler le secours ou quoi? Non. Tranquille. Ouais, c'est juste le choc. Non, mais c'est le choc. Ouais, non, t'as pas tapé fort, c'est le truc, t'as dû pas me gueuler. Non, mais en fait, il a une côte fêlée, du coup, ça a peut-être un petit. Sa mère. Pourquoi je pose cette trace, la bordel? C'était pas celle-là qu'il fallait. On va se décaler pour libérer qu'est-ce qu'on a fait. Attends, tu veux quoi? Ah, j'ai la peine de me bouger. 1, 2, 3. C'est bon? Ouah, en fait ça va. T'as perdu ta boucle, non? Non, il en avait pas. Il avait pas. Oh, oublie les têtes! Tiens! Allez, saute de là! Allez, saute de là! Lâche-moi les têtes, c'est quoi ça? Ça va? Non, plus ça parce que tu as tout cassé. Tu m'as fait peur quand je t'ai vu par terre là. C'était joli, j'ai raté ça. J'aurais pu le filmer quand même. Tu fais chier, oh! Ah putain, tu chier! D'arriver en plus, ouais. En fait, t'as tapé le côté, t'as fait tout le côté là. Mais ouais, je crois qu'il est sur le côté. J'ai essayé de passer là. Ouais, j'ai vu. Oh merde. T'as cassé la vis? Ouais. Oh, que chier. Bah, si t'en as pas en attendant, tu mets un ristone, ça les tient bien. Hein. Ouais. Je descends tranquille ou tu remontes? Non, là, c'est là, il peut y aller tranquille. Ouais. Mais ouais, tu prends tous les échappatoires avec moi ou tu vas y aller comme un dingue? Non, ça va rien changer, je pense. Ah là là. Nickel. Ah. Oh merde. Ok. T'as trop froid, putain. Tu sais que tu la passes la piste, pourquoi tu vas à fond? Bon, si je fais pas la première road gap, faudrait quand même que je fasse le deuxième. Et le deuxième, faut se laisser aller ou tu dois freiner ou pédaler un peu? C'est après le saut là. Après le son là non. Je peux pas y aller. Tu te laisses aller. Je te laisse aller, ouais. Et tu freines pas même un peu? Non. Ouais, tu peux freiner un peu mais tu tires. Ouais, t'as la... ouais toi, c'est là. Et on attend. Ouais, pour ça c'est pas super, on attend des plombes. Voilà, du coup comme vous avez pu voir, Melvin a fait une petite gamelle. Ça lui a refait un petit peu mal à sa côte qui était fissurée. Moi j'ai roulé vraiment tranquille comme je t'avais dit. Finalement ça me fait pas trop mal. Donc je pense que je vais essayer de tenter le deuxième road gap et le saut de la fin en suivant Gao. Melvin là il va faire une petite pause. Et le premier road gap, je sais pas, je l'ai fait deux fois et je suis tombé. En rabassant, et les deux fois je me suis fait mal, donc
donc je veux pas tenter plus en sachant que je pourrais pas faire de podium de toute façon. Donc je pense que je prendrai l'échappatoire en bossant bien la trajectoire. Voilà. Coup Gao fait son petit run d'entrée, fait un dernier run. Moi j'ai hyper mal en fait, c'est là. Et genre presque quand je marche, je boite, je peux pas me baisser. Melvin aussi, il en a fait qu'une cet après-midi. Il peut pas, presque pas lever le bras en fait. Yes. Et donc là, on a installé la petite tente. Voilà. Et toutes les affaires dans la remorque. Les casses, les trucs, on mettra une bâche si jamais il pleut. Et après, il y a les vélos et le trafic. Donc on se met bien. Installation de la tente, c'est parti. Hey. Donc c'est là? C'est pas là genre. Là. Où ce truc? Tu vois, regarde. Tu vas entendre là. Ça se trouve c'est les deux. Vas-y, on met les deux. Allez, c'est parti. Soyons fous. Soyons fous. Les deux papis. Tu vas prendre lui là et va là-bas. Là. C'est trop tard. Il y a les ronces qui me piquent le cul. Ouais. Bon, 18h là, on regarde un petit peu, on va peut-être descendre un tout petit peu à pied, voilà. On sait pas trop quoi faire. Après je sais pas. C'est pas mal au départ du pays d'heure. Ouais. Vous allez mourir, vous inquiétez pas. Bon, là-bas, il y a une de ouf. Hein. Attends, je vais glisser quand même. Comme un nul là, comme ça là, tac tac tac. Comme ça là. Parce que là, ça passe bien aussi. À droite? Ouais, là là. Ah ouais, non, moi je me prends sur le caillou là, comme ça. Ouais, comme ça tu peux pédaler sur le caillou. Ou pas. Là, tu vois, tu passes là, mec, ça passe trop bien. C'est comme ça, bon, voilà. Comme ça là, tu déchires ton pneu ici. Bien là. Ouais, faut pas le voir en fait. Ouais, faut descendre ça. Voilà, il fait vraiment froid. Donc là, il doit être 8h, 8h30. On a dû dormir 4-5 heures, je crois. Et là, c'est le réveil. Ça a gelé, hyper froid. Voilà. On va équiper. Oh putain, j'ai peur à chaque fois. Quoi? Ça, mais c'est la première regarde ici. Non mais moi je le passe pas. Tu veux pas le passer? Je l'ai fait deux fois ce matin, je me suis gamellé les deux fois. Et okay. Je me suis fait mal les deux fois. Bah, je vais te montrer une autre ligne alors. Ok. Contre là, dans tous les cas, ouf. C'est important de passer là-bas. Là? Ouais. Ok. Dans tous les cas, même si tu perds de la vitesse là, essaye de remonter là. Ok. Parce que tu le prennes ou que tu le prennes pas, c'est cette ligne qui va te donner la meilleure vitesse. Ok.
Allez, les pions pour le coup. Ah putain, je voulais le faire. Je vais aller le voir doucement, je pense. Mais vraiment sur le côté pour pas gêner. Ok. Et je viens le voir. C'est pas interdit de changer une piste en plein en compète. Voilà. Là tu vis au caillou. Au caillou. Voilà. Impeccable. Là, vous... là on a fait un beau truc. Voilà, je suis d'accord. Eh oui. On va pas l'intérêt, ouais. Mais là, ça a bien tapé la fourche. Je crois que j'ai jamais autant tapé sur un saut à l'avant. Et on regarde là-bas, du coup je sais pas. Quand je vois là, le... je sais pas comment il s'appelle le pote de Mathéo, Iniguez, comme il m'envoie. Je sais pas. Bon là du coup on va faire le premier run, c'est parti. Allez, 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 allez! Melvin, allez Melvin. Youhou. Bon du coup on commence à ranger. Voilà. On a fait le premier run, là il doit être une heure passée. Donc Melvin 3.03, Gao 3.40 et moi 3.31. Donc voilà, c'est d'améliorer un petit peu tout ça et puis on verra. Donc là on commence déjà un petit peu à ranger. Je crois que normalement ça reprend à 14h, donc on verra. Deuxième run, moi j'ai amélioré mon temps de 6 secondes, j'avais fait 3.31, là du coup je fais 3.24. Gao nous a fait 3 grosses chutes, donc voilà, c'est un peu loupé, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est d'avoir participé, tu vois, tu l'as fait. Vous avez vu les minimes, le temps des minimes? Les 6 premiers, ils faisaient meilleur, mieux que nous. 2.59 le meilleur temps. Wow. 2.59 le meilleur minimum.
Et là du coup Melvin va bientôt arriver. Il avait fait 3-0-3 au premier. Voilà, du coup c'est une fin de vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Donc vous aurez pu nous voir un petit peu nos runs grâce à Jérôme et Théo qui auront pu filmer avec le téléphone. Moi j'ai pas trop filmé les autres concurrents parce que après moi ma caméra était dans le trafic donc je l'avais pas sur moi. C'était un week-end très froid, du coup la tente c'était pas ouf, je crois qu'on a dormi 4 ou 5 heures. J'ai dû le répéter souvent, mais voilà. Après, voilà, moi, où j'ai bien aimé, c'est que je me suis pas gamélé pendant mes runs et j'ai même amélioré de 6 secondes. Après, voilà, j'ai pas pris les 2 roues de gap, mais vu que je m'étais fait un petit peu mal, je voulais pas aller plus loin que mes compétences. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux me suivre sur Insta, c'est Loïc Ferronnière. Du coup, on se retrouve mercredi pour un Lâche Tout Series ou samedi pour une vidéo normale. C'était Lolo Fairo.